Première émission de l'année, les petits gars. Aujourd'hui, Dudu reçoit Fanny Vérac. C'est la petite Fanny du juste prix. Oh, ça sent la bonne émission. Top jingle. Je suis peut-être un peu en retard. Ah bah dis donc, ça fait longtemps que je t'attends. Ah, tu faisais quoi? Bien, bonjour. Un petit, je faisais maison, je vite fait, je sais pas quoi faire. Tu t'avais laissé là, oui, si tu voulais jouer. Ouais, mais j'y vais jouer. Bon, alors présentation pour nos amis téléspectateurs. J'ai enlevé quand même mon petit chapeau. Ouais. Voilà, je suis bien coiffée, ça va? Ça va. C'est-à-dire, t'as le... tu peux voir. Ah non, c'est les gens te voient, mais toi, tu ne te vois pas. Ah, ben non. Alors, présentation, qui es-tu? Moi, je te connais parce que tous les soirs à 19h, je suis devant ma télé. 19h05. Mais... 19h05, oui, exactement, sur TF1. Exactement. Alors, qui es-tu, Fanny? Déjà, je suis Fanny. C'est Fanny, voilà, exactement. Tout à fait. Très bien. Je suis gaffette au juste prix. Voilà. Voilà. Pourquoi on me connaît pour ce petit nom, gaffette au juste prix avec Vincent Lagaffe. Ouais, alors t'es gaffette depuis quand? Depuis le juste prix. Depuis le juste prix, attention, puisqu'il y avait déjà des gaffettes sur Drôle de jeu, sur le Big Deal. Le Big Deal, l'heure à l'appel. L'heure à l'appel, voilà. Mais moi, depuis 3 ans, depuis que le juste prix a commencé. D'accord. Voilà. Ok, donc présentation, les gens ont pu te voir au juste prix, mais qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais autour du juste prix? Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Donc j'étais une petite esthéticienne avant, enfin une petite. Il y a des restes. Voilà, hein, toujours, hein, voilà. Ouais. Il y a 3 ans de ça, puis je suis montée à Paris par chance, on va dire, voilà. Ouais. Parce que j'avais une petite agence de mannequins à Toulouse qui m'a fait monter à Paris pendant le boulot, et puis c'est parti comme ça. D'accord. Donc voilà, au départ j'étais esthéticienne. À partir de là, quand je suis montée à Paris, bon, ça a marché pour moi, donc j'ai fait du mannequinat. Ouais. Je suis partie ensuite en Italie pendant un an, et là j'ai encore bossé. Redescendu. Voilà, c'est okay. Reparti, voilà. Mannequinat, et puis est arrivé le juste prix. Ok. Voilà. Et puis bah, pareil, je continue toujours le mannequinat autour du juste prix. D'accord, parce que les tournages, c'est pas 7 jours sur 7. Non, voilà, on a des enregistrements. On a 4 émissions par jour sur 3 semaines de tournage et, okay. Et ça tous les 3 mois à peu près. Donc ça, okay, nous laisse quand même du temps libre à donc côté. Vous faites 60 émissions à chaque fois si je le 80. 80, 80. Donc je suis mauvais en calcul. C'est ça, okay. Exactement. Ça va. Eh bien écoute, présentation faite, est-ce que tu es prêt à relever mon premier défi? Ah oui, j'adore les défis. T'es prêt? Alors dis top jingle et puis on enchaîne. Prête? Ouais. T'as oublié le clap. Donc, allez, fais le clap et on enchaîne top sur le défi. Top jingle, on enchaîne. Donc apparemment. Ouais, mais faut pas dire la marque. Ah, mais c'est non. Le défi petit biscuit. Le défi petit biscuit, c'est tout simple. Manger 3 petits lus en 1 minute. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal. Allez. Est-ce que tu te sens capable déjà de manger 3 petits lus? J'ai pas mangé à midi, j'ai pas expliqué. Même okay. Si je savais pas, Tu t'es dit, je vais peut-être manger. Je ok. D'accord. Alors, le temps que j'ouvre ça. Alors, voilà. Attention. 3 petits lus en 1 minute. Bon. En 1 minute? Ouais. Bah, je m'en occupe, t'inquiète pas. Tac. Bah, il me semble que j'avais vu une émission où t'avais une certaine, je ne sais plus qui. Alors, il est balancé derrière. Ah ouais, une arnaque. On lui passe le bonjour, c'est une arnaque au passage. Moi, le chrono est prêt. Ok. Tout est bon. Tu me dis 3, 2, 1, top, et je lance le chrono. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Top chrono. Ah, tu caches, ça se trouve, elle va refaire la même chose, surveiller les arrières. On sait jamais. Non? Ah ouais? Parce qu'au bout d'un moment. Je vais me faire un petit Mario, moi, j'ai 45 secondes. Voilà. T'en es à. Ah ouais, 1, mais elle en a encore 2 moitiés dans la bouche, donc on dit qu'il y en a 1 dans sa bouche qui est là. Et puis, il y a des nez de partout. T'as pas un peu d'eau? J'ai de l'eau si tu veux. Ah bah, c'est mieux. Pour lubrifier. Justement. Merci, on est à 30 secondes. Si t'as besoin d'autre chose, tu me le dis, hein, tout regarde, est à regarde, déjà. Là t'en as 2 en 40 secondes. La moyenne est bonne, mais tu les as encore dans la bouche. Tu sais que plus t'as petit et ça passe pas plus vite. Hein. Il en reste 1, il reste 10 secondes. C'est dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche. 3, 2, 1. Top chrono. Est-ce que j'en ai encore. Est-ce que t'arrives à dire je suis Fanny du juste prix? Je suis Fanny du juste prix. Moi je valide, c'est bon. 3 kilos en 1 minute, je valide, tout va bien. Tout va bien. Écoute, c'est la première. Désolé, hein, c'est la première émission de la saison. J'ai oublié de dire que c'est un nouveau décor, mais ça tu ne sais pas parce que t'as pas vu les anciennes. Exactement. Émissions. Mais pour cette nouvelle saison, 3 kilos en 1 minute. Fanny, c'est moi, voilà, j'ai gagné. Je suis Fanny le record. Et ta main, regarde, elle dépasse du cadre. Ah ouais, c'est un petit. Wouh, j'ai gagné. Dis ta jingle et puis on va. Est-ce que tu m'as préparé une blague pourrie?
J'anime, mais alors sont extra pourris quand même. Ok, et eh ben moi je dis top jingle et puis on fait la blague pourrie. Blague pourrie.